Un séchage correct de la cosse de riz brut peut éviter de grandes pertes. Lorsque le riz n'est pas séché correctement, la récolte peut être perdue en raison de l'humidité, des parasites et d'autres problèmes. Le séchage du riz est difficile, surtout les jours pluvieux et nuageux. Il est préférable d'utiliser un séchoir conçu à cet effet. Le séchoir Beau STR peut être utilisé même les jours de pluie en raison de sa conception. Il s'agit d'un dispositif de séchage efficace par quantité. Sa fabrication et son fonctionnement sont peu coûteux. Les coûts de main-d'œuvre et les risques sont faibles. Ce séchoir est composé d'un ventilateur, d'une cuve interne et externe, d'un tube de transport d'air chaud et d'un poêle. Les cuves internes et externes peuvent être placées sur toutes les surfaces plates. Le ventilateur est dans la partie haute de la cuve interne. Le poêle est à côté de la cuve externe. Un tuyau en acier relie le poêle au ventilateur pour générer le flux d'air chaud. Le grain doit être vidé uniformément dans l'espace entre les bacs. Une bâche doit recouvrir le riz pour empêcher l'air chaud de s'échapper vers le haut. Une brique à base de cosse de riz, d'une taille d'environ 2,5 cm de long, est utilisée comme combustible pour le poêle. L'électricité est nécessaire pour allumer le ventilateur. Une option existe avec un raccordement sur un générateur électrique. Un tiers de la chambre supérieure du poêle est rempli de briques combustibles et allumé. Ensuite, le ventilateur est activé. Puis, toutes les 4 à 5 minutes, les briquettes de combustible doivent être ajoutées pour un apport de chaleur continu. Le ventilateur aspire l'air chaud du poêle à travers le tube en acier et le souffle dans le récipient interne. Le processus fera sécher le riz. L'air chaud à température est conduit au réservoir et ne doit pas dépasser 43 degrés. Si le riz doit être utilisé comme semence, la température doit être maintenue en dessous de 50 degrés s'il est destiné à la consommation. Afin d'obtenir un riz de meilleure qualité, il doit être laissé au repos pendant environ 4 à 5 heures après séchage. Avec le séchoir Beau STR, vous réduirez les coûts de main-d'œuvre et augmenterez la qualité de vos performances de récolte.